Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq. Bonsoir Babette. Émilie, votre choix de l'actu du jour. Faut-il interdire la chasse le week-end? Ok, on répondra à cette question. Même ce soir. Eva. Je vous emmène dans une pièce où on y passe un tiers de notre temps, ou plus exactement un objet, un lit en l'occurrence. Ah oui, voilà. On dort beaucoup il au paraît. Cours d'une il vie. Mohamed, bon. Votre story du jour. Une belle histoire quand des maires d'un quartier difficile se mobilisent pour un commissaire de police. Je vous raconte tout ce soir. Patrick, votre édito. Les inégalités de salaire hommes-femmes, je vais essayer de vous expliquer le pourquoi du comment. À tout à l'heure, bon, enfin, tout à l'heure, à dans un instant. Et Mathieu, dans le 5 sur 5. Le retour du prix Goncourt au restaurant de Rouen. On a même le menu ce soir. Ah, est-ce qu'il y avait de la caille? Non, il n'y avait pas de caille, ça c'est que pour nous. J'essaie de tête. Nous, ce soir, au menu du Goncourt de C'est à vous, il y a des cailles farcies aux fruits secs. C'est préparé par Mélanie Serre. En cuisine. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Chef du restaurant Le Louis Vin à Paris. Tout à fait. Des cailles farcies avec de jeunes endives caramélisées. Elles sont jeunes, les endives. Elles sont très jeunes, elles sont toutes petites. Et servies avec un peu de jus corsé à l'orange, c'est ça? Exactement, une réduction d'orange avec un jus de veau. C'est une de vos spécialités? Oui, c'est à la carte du restaurant. Merci beaucoup. À tout à l'heure, c'est un menu, c'est un dîner qu'on servira à nos invités, Mathieu et Émilie Chédine, mais aussi Nadine Trintignant. C'est dans un instant, mais d'abord, Patrick, votre édito. Patrick, est-ce qu'on peut dire que les femmes travaillent gratuitement depuis ce matin à cause de leurs inégalités de salaire, comme l'affirme un collectif féministe? En tout cas, c'est gentil d'être venu gratuitement pour me poser la question. 19h22, je suis là gratuitement. Le collectif Les Glorieuses, qui calcule chaque année le jour et l'heure qui symbolise cette inégalité, qui représente presque 2 mois de salaire en moins pour les femmes d'ici au 31 décembre. Eurostat, l'agence de statistiques européenne, en a fait un dessin en forme de gouffre avec 16% d'écart de salaire entre hommes et femmes. La France se situe un peu au-dessus de la moyenne européenne. Les femmes françaises sont donc payées 16% de moins que les hommes ? Non, en réalité, c'est une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose, en tout cas qui cache des situations beaucoup plus complexes. Je vous explique. Si on additionne tous les salaires de toutes les femmes en comparant ce total au salaire de tous les hommes, on trouve un écart vertigineux de 28%. Mais la durée du travail n'est pas la même. Plus d'un quart des femmes travaillent à temps partiel, donc à temps de travail équivalent, on obtient ces 16%. À noter que c'est un chiffre qui s'est considérablement réduit en 40 ans. En 76, l'écart moyen des salaires hommes-femmes était de 40%. Donc 16% d'écart, mais sans prendre en compte la nature du travail, parce que femmes et hommes n'ont pas les mêmes activités. Et c'est là tout le problème qu'on ne peut pas résumer à du sexisme en entreprise ou à des femmes qui ne travailleraient plus que gratuitement. Voyez les professions les plus fréquentes chez les femmes selon l'INSEE: secrétaire, comptable, employée administrative, agente d'entretien, aide à domicile, caissière. Et les professions les plus courantes chez les hommes: chauffeur routier, ingénieur et cadre informatique, livreur, maçon, magasinier, etc. Vous avez la liste des 10 premiers. Donc rien à voir. Et donc, à métier et travail équivalent dans le secteur privé, l'écart n'est plus que de 5%. Sauf en haut de l'échelle, les inégalités augmentent avec le niveau de diplôme. Une femme cadre gagne en moyenne 20% de moins qu'un collègue homme. Sans aucune raison valable. Alors, pas forcément à situation exactement équivalente. Là encore, c'est une moyenne sur les femmes cadres et diplômées. Hein. Conclusion de tous ces chiffres. Et comme dans toutes les batailles au long cours, ce sont les derniers kilomètres les plus compliqués. L'arsenal législatif est là pour inciter ou contraindre les entreprises à l'égalité salariale. Et on est sans doute allé au bout de cette démarche. La question est plutôt celle de la ségrégation professionnelle qui explique les 3/4 des différences de salaire, avec des femmes qui n'occupent pas les mêmes postes, qui sont cantonnées à des emplois sous-payés, on vient de les citer, ce qu'on a appelé les métiers de les premiers de corvée pendant la crise du Covid, et qu'il faudra évidemment revaloriser. Des femmes enfin qui assument l'essentiel de la gestion du foyer et l'éducation des enfants. Tiens, je vous fais cadeau d'un dernier chiffre: l'écart moyen des salaires entre une femme et un homme ayant chacun 3 enfants dépasse les 47%. Ce qui reste quand même assez révoltant.
Patrick. Oui, mais encore, c'est une moyenne qui prend en compte des femmes qui travaillent un petit peu, des hommes qui travaillent à plein, enfin voilà. Mais c'est une moyenne. Tout confondu, on a cet écart de 47%. Bonsoir Rhys. Bonsoir. Directeur de la publication de Charlie Hebdo, à vos côtés Alice, dessinatrice, et Benjamin de la rédaction de Charlie, 23 ans seulement. On est ravis de vous accueillir tous les deux à l'occasion de Charlie Hebdo Libère les femmes, qui paraît demain, le 4 novembre, aux éditions des Échappées, et qui illustre à quel point Charlie Hebdo a accompagné à sa manière les grands combats de société et notamment ceux des femmes. À Charlie, vous pratiquez l'égalité salariale ou depuis ce matin, 9h22, les femmes de Charlie travaillent gratis? En principe, tout le monde est payé de la même manière, voilà. Il n'y a pas de différence. Quoi. Tout le monde est payé de la même manière? Oui, non, mais tout le monde a y a une égalité salariale, quoi. Y a pas de... Je confirme. J'ai vérifié. Et ce combat pour l'égalité salariale, évidemment, il pourrait être illustré dans Charlie Hebdo. Il est déjà illustré dans Charlie Hebdo. On a fait souvent des dessins là-dessus. Quoi. C'est vrai que c'est des thèmes récurrents qui reviennent. Et c'est vrai que quand on parle de féminisme depuis 50 ans, parce que le livre parcourt 50 ans un peu de féminisme, c'est vrai qu'on revoit toujours revenir un peu toujours les mêmes questions, en fait. Ça, c'est l'égalité salariale entre hommes et femmes, l'inégalité salariale entre hommes et femmes en France. Ce problème-là, il s'aggrave encore plus lorsqu'on le voit à l'échelle mondiale. Oui, ça doit être probablement pire, parce que quand on voit la misère dans les pays sous-développés, les femmes travaillent énormément et ne sont pas payées. Quoi. Enfin, dès qu'on va dans les pays... souvent, dans les reportages que j'ai pu faire à l'étranger, on voit les femmes qui bossent, mais sans arrêt, et qui sont pour rien, en fait. Voilà. Charlie Hebdo féministe, ça peut surprendre. À écouter certaines jeunes militantes féministes, écrire dans Charlie et être féministe, ce serait comme travailler pour Monsanto et manger bio. C'est ce qu'écrit dans l'introduction de ce livre la journaliste à Charlie Hebdo, Laure Dossi, qui travaille depuis 2015. C'est vrai que c'est presque pavlovien d'avoir ce réflexe-là, de se dire Charlie, un repère de phallocrate, et ça ne date pas d'hier. On vous reproche quand même d'être un journal phallocrate. Oui, elles sont même venues bomber nos murs. Oui, oui. Oh, là, quand même, une fille comme Sylvie Casser qui travaille chez nous et qui a une sorte d'affection pour les phallocrates que nous sommes. Bon, vous savez, je demande si les femmes n'aiment pas tellement. Là, je vais faire hurler, alors, si les femmes n'aiment pas les phallocrates. Enfin, quand ils le sont d'une façon marrante, quoi. Parce que il y a aussi autre chose, c'est qu'on est peut-être des phallocrates, mais qu'est-ce qu'on aime les femmes à Charlie Hebdo? Et ça, c'est une chose qui se perd, les hommes qui aiment les femmes. On est peut-être phallocrate, mais qu'est-ce qu'on aime les hommes, les femmes. C'est vrai qu'on a tous de Charlie l'image d'une bande de mecs. C'est un hammam non mix, raconte Caroline Fourest. C'est l'impression qu'elle a eue la première fois qu'elle est rentrée dans la rédaction de Charlie Hebdo, avec certains dessins qui sentent le bouc. Ça, c'est Fiamme et Tavener qui s'en amusait lorsqu'elle pigeait à Charlie, déjà bien avant... Caroline Fourest, c'est pas totalement faux. Il y a un petit côté club de mecs, quoi. Ben, c'est vrai que, historiquement, l'équipe de Charlie Hebdo, en 1970, qui était aussi l'équipe d'Harakiri, créée au début des années 60, c'est vrai qu'à cette époque-là, dans la presse, il n'y avait quasiment que des hommes. Il n'y avait pas non plus beaucoup de femmes. Les femmes sont arrivées progressivement, lentement, comme à Charlie Hebdo, mais elles sont arrivées. Voilà. Elles sont nombreuses aujourd'hui à Charlie, Alice ? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de femmes chez les journalistes. Alors bon, un peu moins chez les dessinateurs, on a Coco et puis moi. Mais on n'a pas du tout l'impression d'être dans un repère de garçons. On s'amuse tous ensemble, il n'y a pas de différence. Ce livre montre les grands combats pour les femmes que les unes de Charlie ont accompagnées. La fête des mères, par exemple, 1971, vue par Heiser, lui qui s'est mobilisé également pour le droit à l'avortement. C'est l'une de vos unes préférées, Rhys ? Bah, elle est une de Heiser, toutes mes unes préférées. Mais c'est vrai que c'était le combat pour l'avortement était un combat très dur et qui méritait au moins ça comme dessin pour pouvoir obtenir ça. Et c'est vrai que Charlie Hebdo, à sa manière, a accompagné ce combat-là. Dans son style. Quoi. Dans son style, oui, voilà. À sa manière. Qui peut faire sursauter quelquefois. Mais comme à chaque fois qu'on dessine sur des sujets de société, on aime bien aussi un peu prendre le lecteur à revers et le faire réagir aussi. Un dessin, ça doit faire réagir. C'est pas non plus fait pour le caresser dans le sens du poil. En 1978, Charlie intime un ordre. Élisez une papesse bande de cons. Le féminisme de Charlie est anti-religion. Ça, c'est...
c'est presque obligatoire parce que le féminisme doit d'abord combattre toutes les religions. C'était après la mort de Jean-Paul Ier. Oui, donc, qui avait voilà, donc régné 32 il, ouais. il fallait un nouveau pape et là, Rezer a dit bah, allons-y pour une femme. On attend, c'est pas encore arrivé, ça arrivera peut-être un jour, il faut être patient. Mais c'est vrai que les religions, historiquement, ont cantonné les femmes dans des rôles très délimités. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se dire féministe sans à un moment donné poser la question des religions, inévitablement. Certains ont tenté de récupérer, Charlie. Récupérer, c'est-à-dire les identitaires, quand vous vous moquez l'islam, vous moquez l'islam, l'extrême droite tente de récupérer Charlie. Il y a toujours des gens qui, de manière opportuniste, trafiquent les choses, mais on n'y peut rien. C'est surtout à l'ère des réseaux sociaux, vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens racontent. Mais je crois que quand on lit Charlie Hebdo et quand on connaît bien Charlie Hebdo, on sait où on est, quoi. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Dans le Charlie du jour, on trouve un dessin de Vouris sur l'avalanche Zemmour. Zemmour qui n'est pas un vrai... Ah non. Pas vraiment un féministe, on peut le dire comme ça. Bah, il s'en revendique. Hein. Mais c'est vraiment... sa vision des femmes, c'est une vision quasiment préhistorique. Quoi. On a l'impression qu'il sort de sa caverne avec une massue et qu'il traîne une femme par les cheveux. Voilà. C'est vraiment... C'est un personnage qui vient d'un autre âge, en fait. Un édito accompagne ce dessin dans lequel vous posez la question « Zemmour est-il fasciste ?» Une question que vous trouvez moins incongrue à la fin de votre édito qu'au début. Oui, enfin bon, c'est un peu long à expliquer, mais c'est vrai que juste un critère, sa manière de parler de l'histoire de France et de l'histoire en général, c'est toujours une manière où il réécrit tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les idéologues d'extrême droite. Comme l'extrême droite a été disqualifiée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle n'avait pas sa place dans la vie politique française. Ben, pour retrouver sa place, je pense que sa stratégie, c'était de réécrire l'histoire et donc de se repositionner de manière plus légitime, de manière complètement artificielle, quitte à dire des choses aberrantes comme Vichy a sauvé des Juifs. Mais de ce point de vue-là, c'est un raisonnement que je considère comme fascisant, en fait. C'est propre aux idéologies fascistes de réécrire l'histoire pour repositionner les idéologies fascistes de manière plus légitime, en apparence. Alice, vous avez dessiné une des plus polémiques de ces derniers mois. C'est une une qui caricature Erdogan, la voici, parue en mars dernier, qui a déclenché d'ailleurs la fureur du principal concerné. En Turquie, une procédure judiciaire a même été lancée. Un procureur réclame jusqu'à 4 ans de prison contre vous et 3 autres responsables de Charlie, accusés d'avoir insulté le président de Turquie. C'est aussi ça, dessiné pour Charlie ? C'est s'attendre à être poursuivi par la justice ? Il n'est pas insulté, vous dites qu'il est drôle. Hein. Bien sûr, nous c'est une idée de Brice, d'ailleurs. On faisait un pas vers lui, il avait une réputation d'être méchant et de vous faire voulez peur. Le rendre gentil, oui. Voilà, nous on a voulu dire non, mais il est très drôle, donnons-lui une chance. Ouais. Voilà, bon, il l'a mal pris, dommage, tant pis. Ça vous est venu comment cette idée ? C'était un travail collectif ? Oui, c'était vraiment un travail collectif. C'est Risk quand même qui vous a lancé. Alors en fait, voilà, c'est le matin, on s'est demandé quelle était la figure politique qu'on allait mettre en couverture, donc on est tout de suite tombé sur Erdogan. J'ai commencé à le dessiner parce que j'aime bien commencer le matin par une caricature. Et Risk nous dit. Non, mais ça se trouve, dans le privé, il est très drôle. Alors là, on explose de rire et on se dit, bon, c'est ça le titre. Et après, il y a un ping-pong de blagues qui s'enchaîne et je finis par le dessiner dans cette position. Et tous ensemble, on sort cette couve et on explose de rire à chaque fois qu'on la voit. Donc, un grand féministe également Ah bah, bien sûr, un grand ami des femmes. Ouais, un grand ami des femmes, oui. Voilà. Je suis très heureuse de l'avoir dessiné aussi pour ça. Alice, vous dites souvent que vous échauffez le poignet en croquant les personnages de l'actu de la semaine avant de commencer réellement le dessin. Cette semaine, vous vous êtes échauffée avec qui ? Avec Biden ? Avec Macron ? Malheureusement, cette semaine, j'étais en reportage. Ah. Donc, je n'étais pas là pour me chauffer. Vous ne dessinez pas dans votre coin, même en reportage Bah si, je dessine, je dessine ce que je vois durant le reportage, mais je pense que oui, cette semaine, avec ce qu'on a vu à la COP26, il y avait de quoi dessiner. Voilà, on avait de quoi caricaturer. Ouais. Et dans le dernier Charlie, peut-être toutes les semaines ou régulièrement, on trouve quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs, l'édito de Vincent Bolloré.
Ça, c'est précieux. Ah, c'est le premier et le dernier édito que vous trouverez. Ah bon, ah, c'est dommage, je pensais que... Oh, je crois qu'il a tout dit, là. Il a tout dit, là. Il a dit l'essentiel. Il disait quoi en substance, parce que ça m'a échappé. Non, il faut le lire, ça. Il présente ses nouvelles formules. On va pas parler à sa place. L'édito de Vincent Bolloré, d'ailleurs, a trouvé dans le Charlie du jour, aux côtés de l'édito de Riss, le patron de Charlie Hebdo, et ce livre, Charlie Hebdo libère les femmes, pour montrer que Charlie Hebdo n'est pas ce repère de phallocrate. Non, c'est un journal... Un hebdomadaire satirique, certes, mais féministe en tout cas, qui accompagne les grandes évolutions et les grands changements de la société. Et c'est à paraître demain aux éditions Les Échappées. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. On continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouabsi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir, quand des habitantes d'un quartier de Corbeil-Essonnes applaudissent un commissaire de police. Début septembre 2021, la ville de Corbeil-Essonnes fait face à 5 nuits d'émeutes. À l'origine de ces violences urbaines, la vidéo d'une mère de famille gazée par un policier alors qu'elle se précipite vers lui pendant que son fils est interpellé. Le quartier chaud des Tarterets s'embrase. Une vidéo est mise en ligne sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, un commissaire assiste à une réunion publique avec des familles de la ville pour calmer les esprits. Il présente ses excuses au nom de la police. Quand le commissaire s'est excusé, bizarrement, il n'y a plus eu de bruit ni de discussion à tort et à travers. Les jeunes et les adultes ont été émus par ces excuses de ce commissaire. C'est un homme de dialogue. Il a enlevé la barrière, donc il nous a... laisser rentrer, qu'on puisse dialoguer. Partout où on va avec la police, il y a une barrière. Il y a toujours des limites. Que lui, il a enlevé ça. Il a dit, sans barrière, on peut discuter. Faire des choses en commun. Faire des choses avec la jeunesse. Depuis, le commissaire n'intervient plus. Il a été mis à l'écart. Des mères de famille ou du quartier des Tarterets se mobilisent pour faire revenir le commissaire de police. Elles ont même lancé une pétition pour demander son retour. Les membres du collectif des Gilets Roses sillonnent la ville pour recueillir un maximum de signatures. Les habitants de la ville, rencontrés par Louis Amar et Audrey Payas, réclament aussi le retour du commissaire. Qui dit pardon et amène la paix? C'est ce qui a fait que personne n'a parlé. Il a bien fait, il a apaisé la situation. Pour moi, la police est en train de commettre une grosse erreur. Vu que ce commissaire a eu le courage de s'excuser au nom de la police, ça pouvait permettre d'apaiser la tension entre la population et la police. Le maire de la ville nous a confié déplorer la mise à l'écart d'un commissaire qui a eu le courage de s'excuser, en ajoutant que cette affaire démontrait la nécessité d'un débat sur la police nationale qui n'est pas toujours irréprochable. Mais les excuses ont du mal à passer du côté de la police. Certains policiers se sont sentis trahis par les propos du commissaire. Qui dit s'excuse, s'accuse. Et au final, l'intervention, elle est toute légitime. C'est ce qu'on a dit, nous, de toute façon, dans les jours qui ont suivi. On n'est pas là pour s'excuser d'avoir fait notre travail. Je veux dire, voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Quand on peut lire et quand je peux lire des mamans de cette association-là qui aimeraient que, voilà, que la police reconnaisse son erreur, qu'elles n'ont rien contre la police, mais on ne reconnaîtra pas d'erreur, il n'y en a pas d'erreur. Les mamans de Corbeil-Essonnes sont déterminées. Les Gilets Roses ont prévu de poursuivre leurs actions jusqu'au retour du commissaire. Elles comptent bien parcourir tous les quartiers de la ville pour obtenir un maximum de signatures pour revoir ce commissaire de police. Patrick, est-ce qu'on peut dire que cette histoire symbolise le manque de dialogue, en tout cas entre les habitants et la police, et que dans ce cas-là, le dialogue entre un commissaire et ses mères de famille a fonctionné? Ben oui, ben vous avez tout dit. Effectivement, ça montre... la nécessité de la police de proximité. Enfin, le désamour et la défiance à l'égard de la police, on en parle depuis des années. Là, on a un exemple inverse d'un policier gradé qui était au contact de la population et qui a su gagner leur confiance. Alors, il a perdu apparemment la confiance des syndicats de police, si j'ai bien entendu ce que vous avez diffusé. Mais je crois que la confiance avec la population, effectivement, elle ne peut que se rétablir par des gestes comme cela, oui, par des histoires comme ça. Merci Mohamed. Et pendant que vous parliez, Alice dessinait Patrick. J'ai pas fini. Hein. C'est Patrick. J'aurais bien aimé qu'on le montre, Alice, quand même. Non, mais là, j'ai pas fini. Oh. En plus, on pourra le montrer d'ici la fin de l'émission. Oui. Merci Mohamed, merci à tous les deux. Le retour de la chasse dans le débat politique avec, dans l'actualité, Émilie, deux accidents graves ces derniers jours. Un homme de 67 ans était dimanche toujours entre la vie
et la mort. Pas de nouveau depuis sur l'évolution de son état de santé. En revanche, les circonstances de son accident, elles, sont connues. Un grave accident très probablement lié à la chasse. Un automobiliste de 67 ans a été blessé par une balle perdue. Entre Nantes et Rennes hier, un automobiliste reçoit une balle dans le cou. Le tireur, un chasseur en cours d'une battue au sanglier proche de la route. Jeudi dernier, c'est en Haute-Savoie qu'un promeneur avait été lui aussi touché par une balle perdue. De quoi alimenter le débat sur la chasse. C'est en effet le deuxième accident de chasse en 3 jours. Le promeneur en Haute-Savoie s'en sort lui avec une blessure importante au thorax. Mais ces accidents sont parfois bien plus dramatiques. Il y a moins d'un an, Morgan Keane était en train de couper du bois tout près de chez lui à Calvignac, dans la vallée du Lot. Quand il a été pris pour un sanglier par un chasseur, il en est mort. Il avait 25 ans et ça a été un choc dans sa commune. Je vis à la campagne, je vais me balader le week-end et on ne se sent pas en sécurité. Par exemple, autour de chez ma mère, on est obligé d'enfermer les chiens. J'aime bien marcher, j'aime bien courir et il n'y a pas un jour où je sors où on n'entend pas péter dans tous les sens et voilà, c'est pas rassurant. Le président de la chasse a dit que toutes les règles de la chasse ont été respectées. Si c'est le cas, c'est que les règles ne sont pas à jour et qu'il y a besoin de que des choses changent. Règles pas à jour, elles évoluent pourtant constamment. Jadis, le permis de chasser, c'était un droit transmis de génération en génération, mais depuis 1976, il faut passer un examen pour l'obtenir, un examen qui a lui-même beaucoup évolué. Le 1er septembre dernier, une nouvelle loi est même entrée en vigueur pour que ce permis ne soit plus délivré à vie. Les chasseurs sont contraints à une remise à niveau tous les 10 ans. Parmi les règles à respecter, par exemple, il y a l'interdiction de tirer en direction des routes, des chemins publics ou des voies ferrées. Donc si ces règles étaient bien respectées par les chasseurs, les derniers accidents n'aurait pas eu lieu. Un renforcement de la sécurité qui a eu d'ailleurs des effets. En 22 ans, si on regarde, le nombre d'accidents n'a cessé de baisser. On comptait 136 accidents en 2020, c'est plus qu'en 2019, mais moins que la moyenne annuelle de ces 20 dernières années, 158 accidents en moyenne par an. Mais tout dépend comment on regarde ces chiffres. Le journal Libération retient, lui, que plus de 400 personnes sont mortes dans des accidents de chasse en France depuis 20 ans. Soit en moyenne une vingtaine de personnes tuées chaque année par des chasseurs. Alors il faut dire que 90% des victimes sont des chasseurs eux-mêmes. Mais chaque mort par accident de chasse reste un mort de trop. C'est ce qu'écrivait dans une lettre ouverte une amie de Morgan Keane, ce jeune homme de 25 ans tué en décembre dernier. Elle disait parce que derrière un accident de plus, un chiffre de plus, il y a quelqu'un qui a tiré sur quelqu'un et tué une personne. On va encore crier ton nom longtemps, Morgan. Tu ne deviendras jamais un chiffre sans un nom. La chasse est une question de sécurité, mais aussi de préservation de la biodiversité, qui fait dire à certains candidats à la présidentielle qu'elle devrait être interdite. Les week-ends, voire plus, pour en débattre ce soir, le lobbyiste, conseiller politique de la Fédération française de chasse, Thierry Coste, et Mathieu Orphelin, porte-parole du candidat à l'élection présidentielle, Yannick Jadot. Bonsoir à tous les deux, bonsoir. Thierry Coste, Mathieu Orphelin, merci de débattre, je vous en prie, installez-vous. Alors que vendredi, au micro d'RMC, votre candidat, Mathieu Orphelin, Yannick Jadot, proposait de limiter la chasse en France. Il va falloir que la nature soit accessible à tout le monde et j'interdirai la chasse le week-end. J'interdirai la chasse pendant les vacances scolaires. Je veux qu'on puisse se balader dans la nature. Pas de chasse le week-end, pas de chasse pendant les vacances scolaires. Et évidemment, on ne chasse pas les espèces protégées et on arrête la chasse à courre et toutes les chasses cruelles. Lundi sur cette radio, Willy Schren, président de la Fédération nationale des chasseurs, lui répondait. Je pense que c'est complètement débile d'ailleurs, parce que si vous voulez interdire quelque chose, qu'il interdit la chasse tout court. Parce que vous savez, les gens qui chassent sont des gens qui travaillent. Voilà, donc si on ne peut pas le faire pendant le week-end et on ne peut pas le faire pendant les vacances, au moins qu'Yannick Jadot ait juste le courage d'aller au bout de ses convictions. Thierry Coste, vous aussi, vous dites que les propositions d'Yannick Jadot sont débiles ? Alors, je suis toujours beaucoup plus mesuré que le président de la Fédération nationale. Vous dites quoi, alors ? Je pense qu'il ne connaît rien à ce sujet-là et c'est dommage, parce que la réalité, il y a une réalité. À partir du moment où il y a un mort de trop, donc l'affaire, elle est réglée. On a fait un vrai travail depuis 20 ans sur la sécurité et surtout sur la formation des gens. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins de morts, vous l'avez dit parfaitement, mais on a encore des failles dans le système. Donc les failles dans le système, on les combat parce que, vous l'avez dit dans votre sujet, les principaux morts à la chasse, c'est les chasseurs. Donc honnêtement, on ne va pas aller à la chasse pour le plaisir de se faire tuer. Donc on essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins d'accidents parce qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on a
demandé et obtenu une formation tous les 10 ans. C'est-à-dire que la formation, tous les chercheurs sont en train de la passer pour qu'on comprenne bien qu'on a de nouvelles armes qui tirent plus loin, on a des conditions de sécurité et puis on a surtout beaucoup plus de gens qui pratiquent, qui viennent dans la nature et c'est tant mieux. Il faut connaître, il faut respecter de nouvelles règles du partage. Et pour que l'espace soit bien partagé justement entre les chasseurs et les promeneurs, est-ce qu'il faut l'interdire le week-end et les vacances scolaires? Non. Ce que propose Yannick Jadot. Mais le problème, c'est pourquoi on va partager? Alors le VTT, on va le faire le samedi. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des problèmes avec les VTT et les randonneurs. Et il y a même des gens qui mettent des câbles pour empêcher les VTTistes de circuler. Donc si on veut partager la semaine, on peut le faire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent. Voilà, donc c'est débile, en plus, on en revient. Non, ce n'est pas très intelligent. Mais en plus, parce qu'il ne connaît pas. La nature, comme le dit Yannick Jadot, j'adore quand on entend ça, la nature appartient à tout le monde. Non, 80% de l'espace, il est privé. Et le propriétaire, il peut interdire la chasse, mais il peut aussi interdire la randonnée, la cueillette des champignons, etc. Donc il faut être raisonnable. On peut partager. On a beaucoup d'accords avec les randonneurs, avec les vététistes. Ça se passe bien à partir du moment où on fait, nous, l'effort de fournir l'information. Dans une commune, quand on se promène, quand on chasse, on occupe 20% d'une commune et 80% n'est pas chassé. Sauf que les gens qui viennent à la campagne aujourd'hui ne connaissent pas le monde de la chasse et en clair, quand ils entendent un coup de fusil, ils disent « Oh, je ne peux plus aller me balader, c'est trop dangereux. Bah » oui, voilà. Vous ne pouvez pas mais comprendre qu'ils aient... Mais si, mais c'est parce qu'il faut que les gens comprennent qu'ils peuvent se balader. Mais il faut les informer correctement. D'accord. Et ce n'est pas compliqué. Mathieu Orphelin, est-ce que c'est le début? Proposer l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, est-ce que c'est une façon d'amener progressivement à l'interdiction de la chasse tout court? Non, pas du tout. Ah bon? C'est une mesure de partage de la nature. Et vous savez, c'est une mesure qui est très attendue par les Français et les Françaises. 78% des Français et des Françaises sont pour l'interdiction de la chasse le week-end. 82% sont pour la fin de la chasse pendant les vacances scolaires. C'est juste une question. C'est juste une question. Je sais que ça vous embête, Monsieur Coste, d'entendre ce que les gens ont à dire. Mais la réalité, c'est ça. Depuis qu'Yannick Jadot a mis cette mesure dans le débat public, tant mieux, on en parle. On n'a que des messages de gens qui nous disent tant mieux. Vous savez, il y a trois quarts des gens qui habitent dans les zones rurales qui ont peur d'aller se balader le week-end, qui ont eu peur parce qu'ils ont peur des coups de fusil, de la chasse. Et donc, c'est vraiment une mesure très simple. C'est une mesure très simple. Et même pour vous, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous pourrez chasser du lundi au vendredi. Les patrons du lundi au vendredi. Thierry Coste, laissez-moi s'exprimer et vous pourrez répondre. Merci. Vous allez pouvoir chasser du lundi au vendredi. Mais le week-end, ce sera aller dans la nature. Ce sera se balader, faire du VTT. Aller où dans la nature? Y compris dans les forêts. Les propriétés privées. Oui, mais vous savez, dans les propriétés privées, ce sera notre point d'accord ce soir, 80% des forêts sont privées en France. Il y a des règles. Il y a des règles et il y a des règles de sécurité. Oui. Bon, vous les avez forêts domaniales, elles sont interdites à la chasse le week-end et c'est normal parce que dans beaucoup de villes, mais sauf quand elles sont au fin fond de la montagne. Pour les forêts privées, mais encore une fois, c'est simple comme mesure. Je comprends que vous soyez dans vos positions habituelles, très conflictuelles, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. J'ai vu que vous ne vouliez pas. Ça va bien se passer si Yannick Jadot est élu à la présidence. Oui, c'est ça. Alors ça tombe bien. C'est sûr que ça va changer par rapport à Emmanuel Macron qui faisait exactement tout ce que les chasseurs. Et vous l'êtes, ça s'est passé comme ça pendant 5 ans. C'est sûr que pour M. Schramm et pour vous, voilà, ce sera un peu plus compliqué parce que, moi je vous le dis... Moi, j'ai pas trop d'inquiétude. Attendez-vous. Sur l'élection d'Yannick Jadot. Donc laissez donc les Français et les Françaises se positionner. Je rappelle qu'ils sont 78% à soutenir cette vous mesure. Vous êtes, Thierry Coste, très, très courtisé là, en ce moment, par les candidats à la présidentielle? Quand on a 1 million de gens qui valident et 3 millions qui ont permis ça, ça fait 4 millions de personnes dans le milieu rural, avec un système un peu organisé. Comme je dis en plaisantant, on est le dernier réseau stalinien du monde rural. C'est-à-dire qu'on parle facilement à tout le monde parce qu'on est une activité collective avec des fédérations. Donc c'est vrai que ça marche plutôt bien. Oui, on est courtisé, mais on l'a toujours été. Mais honnêtement, les polémiques et les morts, c'est dramatique et ce n'est pas nous qui l'avons demandé. Les chasses traditionnelles, même Nicolas Hulot les avait validées, le Conseil d'État les casse. C'est toujours au moment de la période de chasse, donc on se retrouve dans une curée médiatique qui n'est pas franchement voulue. Alors en même temps, il faut être honnête, Jadot, il est un peu comme Dominique Voynet dans les années 2000, il va nous aider, parce que la caricature, les positions un peu caricaturales... Vous faites de la caricature? Non, alors déjà, je voulais rappeler à M. Coste qu'il y a 1 100 000 permis de chasse, donc... Validé. Voilà, mais à chaque fois...
vous, M. Schramm, vous essayez de faire croire qu'il y a 4 millions de chasseurs. Vous avez réussi à ce que Emmanuel Macron le croie pendant 5 ans. Alors, non, il y a 1 100 000. Pardonnez-moi, il y a 1 100 000 chasseurs. Vous n'avez pas peur que vous fâchez avec 1 500 000 chasseurs. D'abord, tous les chasseurs ne votent pas pareil. Et il y a des chasseurs qui sont. Voilà, il y a des chasseurs qui sont. Mais bien la sûr, plupart des chasseurs sûr, sont écolos. J'en ai dans les bases Valais-Anjouin, j'en ai dans tout. Vous savez, je suis de l'Anjou, il y a de la chasse. Bon. Oui. Donc, bien sûr qu'il y a des chasseurs. Tu allais faire la campagne de Christelle Morancet. Qui sont. Très bonne vanne. Qui non, sont réel. Fans. Qui sont pardon, fans mais. De... Van non, non, c'est une vanne locale. Vanne d'initié. Non, il était candidat. Il était candidat au Pays de la Loire et je suis allé faire campagne pour soutenir Christelle Morancet. La présidente de région. Le problème de débattre avec M. Coste, c'est que lui. On le laisse parler, nous c'est notre conception du débat. Et là, ça fait déjà 10 fois que vous m'interrompez, mais je ne vous en veux pas spécialement. Donc... Mais en tout cas, on a cette mesure, je le rappelle, et notamment dans les zones rurales, elle est très soutenue. Mais... Deuxièmement, vous avez parlé sondage, des chasses. Sondage, arrêtez. Non, non, mais attendez. Thierry Coste, mais... Regarde, est-ce que je peux dire juste non, une non, chose non, parce... Mathieu Orphelin, et après vous parlerez. D'accord. Ensuite, Émilie prendra la parole. On a d'autres sujets, effectivement. Le respect des règles européennes sur les chasses traditionnelles, certaines chasses cruelles. Là, nous ne sommes pas d'accord, parce qu'effectivement, vous souhaitez que la France ne respecte pas le droit européen de protection d'un certain nombre d'espèces et de fin d'un certain Nicolas nombre de chasses cruelles. Nicolas Hulot a signé les chasses traditionnelles. Ça, c'est une première chose. Et puis, sur la chasse à courre, l'engagement d'Yannick Jadot, il l'a bien redit là. Par contre, ce sera la fin de la chasse à courre, comme nous l'avions porté. La fin de la chasse tout court avec Yannick Jadot. Mais non, et vous le savez bien, vous pourrez chasser est-ce du lundi au vendredi allez-y, à partir d'avril 2022. Jadot, et j'ai adoré ce qu'il a dit. Parce que quand on dit qu'on est les premiers écologistes de France, on nous tombe dessus en disant « mais non, vous êtes des hypocrites, vous pensez qu'à tuer, etc. » Alors qu'on aménage la nature, on plante des centaines de kilomètres de haies, on est passionné, on chasse là où on vit. Donc on et est passionné par ça. Et Jadot dit « alors déjà, écologiste, il ne faut pas qu'on le soit. On est interdit d'écologie. Mais bientôt, depuis, c'est nouveau, depuis cette déclaration, on est interdit de ruralité. Nous ne sommes pas des ruraux, nous sommes des chasseurs urbains à 75%. » Mais il le répète, hein, c'est les chiffres. À 75%. Mais sauf que vous avez... Je ne sais pas qui a fait une fiche chez les Verts sur le sujet, mais virez-le, ce mec, parce qu'il s'est planté. Alors, nous sommes des ruraux, nous chassons à moins de 10 km d'où nous habitons. Alors, pardonnez-moi, il y a 80% de ruraux et il y a 20% d'urbains. Mais vous nous, on rêverait aussi les fichistes plus... de chez non, Europe Écologie Les Verts. Non, il faudrait alors. Que je chasse les mauvais, les éléments de langage qui sont mauvais. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'on en a parlé il y a quelques jours ici, sans arriver à éclaircir ce truc. Alors, où vous tenez ce chiffre de 70% de chasseurs qui viennent des villes dans des villes. Donc ça, les villes, vous les mettez où les villes c'est 5 000 à peu près. C'est 2 000 habitants. Ouais, parce non, que 2 000 habitants, c'est un village quand même. Hein. Non, mais c'est vrai que M. Coste essaye de nous dire, dire que tous les chasseurs sont ruraux, agriculteurs, etc. Pas plus. Je revois. Enfin, les agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Tout à l'heure, 36% des permis de chasse, c'est des professions libérales et des cadres. Mais donc déjà, on n'est pas du tout. Voilà. Ils peuvent habiter la campagne. Après, sur les chiffres. Ça fait deux des urbains. Oui, non. Le fait d'être attendez, je viens sur urbain et sur urbain, oui. On pourra encore repasser du temps sur les chiffres. C'est effectivement pratiquement 2/3 des chasseurs. Mais, je comprends, M. Coste, que faire... le chiffre ne vous va non, pas, mais qui habite dans mais, des zones moi, je urbaines content. Selon la classification. Plus il y a de chasseurs donc. Urbains, plus je suis content, puisqu'on va pouvoir faire du prosélytisme voilà. En milieu et urbain. Un chiffre qu'on peut donc, aussi. On serait heureux, sauf voilà. Que vous vous plantez. Mais je ne je comprends pas pourquoi ça vous dérange. Nous, mais, alors, certains rien l'ont dit. Ça vous dérange, on partage non, la nature, M. Coste. Vous dites que vous êtes écologiste parce que vous dites que vous aimez la nature, vous aimez aussi les animaux. Bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'on aime les animaux. Quand on est éleveur, on tue ces animaux au bout, mais on les aime quand même. Moi, désolé, bon. Je peux revendiquer d'être écologiste. J'ai même dirigé le mouvement jeune de France Nature Environnement et je suis passionné d'écologie. Mal fini, ce n'est pas l'avis d'Hélène Thuy, coprésidente, cofondatrice du parti animaliste. Ah ben ça, c'est normal. Qui a l'air très opposée à la chasse. Voilà. Ah Comment jugez-vous le quinquennat d'Emmanuel Macron quant à la question de la cause animale, Hélène Thuy? On dirait qu'il a fait de la cause animale, du massacre pardon, des animaux une grande cause de son quinquennat. Quand on voit tous les cadeaux qu'il a fait aux chasseurs, alors que ce sujet, la chasse par exemple, est rejeté par une grande majorité des citoyens, on voit qu'il y a un véritable décalage entre ses attentes et les transcriptions, notamment par le président. Vous lui répondez quoi ? Alors moi je suis tout à fait d'accord sur un point, c'est que la maltraitance animale est un vrai sujet de société, mais c'est un vrai sujet du comportement des citoyens. On 100 000 animaux qui sont abandonnés tous les étés, c'est débile. On a un vrai problème avec le respect du vivant. Et 20 millions nous, d'animaux abattus nous, on est chaque année. Non, mais nous, on est chasseurs, on a des chiens,
On adore nos chiens. Ils vont 5 mois à la chasse, mais le reste du temps, ils sont sur les canapés. Ils sont heureux, ils sont dedans, ils sont avec nous. Donc, pardonnez-moi. Ceux qui sont avec vous, mais ceux que vous... Mais on reconnaît. On prélève. Comme l'agriculteur qui va... l'éleveur qui va faire tuer ses animaux parce qu'il faut bien nourrir les gens, nous, on prélève, on tue et on mange. Parce que effectivement, on a aussi des progrès à faire avec les chasses cocottes, avec tous les élevages qui ne sont pas bien. Mais honnêtement, demain, j'étais ce week-end à la chasse, je chassais le chamois, c'est génial, on fait après, on travaille. Ici d'ailleurs, vous avez des cuisiniers qui vous font manger du gibier. On n'a jamais mangé de chamois. Non, et pourtant c'est délicieux. Délicieux. Si vous voulez répondre, Mathieu Orphelin. Non, mais moi je crois. Eva, c'est une mesure simple, c'est une mesure forte, c'est une mesure qui est attendue par les Français et les Françaises. Mais arrêtez de parler au nom de l'intérêt général. Mais attendez, c'est j'adore ça, moi. Campagne vous parlez de politique, sondage, c'est là pour ça, ça nous change d'autres polémiques. Là, on est sur ce sujet-là. Ah oui, sujet-là. Ça vous a changé quand même. Non, vous avez besoin de. Non, mais attendez, c'est bien. Mais... Moi, je suis inquiet de la radicalité. Il n'y a aucune radicalité. Jadot, il y a 4 ans, n'avait pas ce discours-là sur la chasse. C'est une mesure très simple. Pourquoi se radicalise-t-il ? Il n'y a aucune radicalité dans le fait de dire on peut mieux partager la nature. Mais la nature, elle se partage sans difficulté. Ça ne vous pose aucun problème. Pardonnez-moi, c'est le macroniste que je suis. Mais ça va tuer la chasse de la. Pas du tout. Mais si, alors les chasseurs vont pouvoir. Les patrons du 440 vont pouvoir chasser du lundi. Oui, les patrons du 440. Hors les vacances scolaires, vous pourrez chasser. Donc, nous, on est ouvert à la discussion. Vous choisissez, vous ne voulez pas nous rencontrer, vous choisissez non, de faire de ce faux. Sujet-là. Vous n'avez vous jamais dit, voulu nous rencontrer. Moi, je suis moi, surpris. Je rencontre les chasseurs, Jadot... c'est moi, arrêtez. J'essaie de vous réconcilier. Réconcilier. Quand il aura compris, est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer ? C'est pas grave, ça va aller. Il y a des pays où ça se passe comme ça. Ça se passe très bien. Il y a des départements, et vous le savez, il y a des départements où il y a déjà un jour le week-end sans chasse. Donc, ça que panique, M. Coste, que... ça va très bien nous, se passer. Nous, on n'est pas inquiets. Hein. Je ne vais pas y arriver. Pardon. Est-ce que vous pensez, on a vu donc ces accidents qui sont effectivement en diminution, mais vous le regrettez évidemment, est-ce qu'il ne faut pas changer les règles ? Est-ce qu'il n'y a pas une évolution à mettre en place, là, très rapidement, pour éviter ce genre d'accident. Non, mais on le fait en continu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un accident, on a toujours analysé de façon correcte. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on peut se permettre d'avoir une analyse très fine. On attend toujours les résultats des enquêtes de gendarmerie. Et à chaque fois, on se dit comment on fait. C'est pour ça qu'on a voulu absolument... Il y a une partie du comportement humain dans tout ça. Il faut être réaliste. Et puis surtout... Oui, il y a des règles qui ne sont pas respectées. Alors, et voilà, comme vous l'avez dit dans l'enquête, il y a des règles qui ne sont pas respectées. On a un million de personnes. Sur la question de la sécurité. Évidemment que c'est un vrai sujet. Moi, j'étais avec les amis de Morgane, le jeune qui a été tué. C'est terrible. J'ai une pensée pour eux ce soir. Il y a encore eu 2 accidents très graves. Vous le savez, un autre... Vous n'avez pas fait beaucoup d'effets divers. Non, parce que la mesure a été sortie avant. Oui. Oh. Non mais attendez, c'est important. Nous, c'est un habitant du Maine-et-Loire qui a été qui a reçu une balle sur la 4 voies entre, et nous, c'est des chasseurs aussi, alors, entre Nantes et Rennes ce week-end. Donc, ne minimisez pas la question de la sécurité. Et je pense que cette mesure que porte Yannick Jadot va aller justement peut-être apaiser aussi les débats, apaiser la situation. Vous cherchez à apaiser les débats ? Ben oui, Yannick Jadot, il n'a jamais parlé aux dirigeants de la chasse française, alors que je n'ai jamais entendu un dirigeant parler autant de la chasse. Alors, au moins, Macron, il fait le job, il rencontre les chasseurs, il dialogue. Et ça, c'est clair que quand... On ne peut pas dire quand même. Vous dites, bien sûr qu'il fait le job, parce qu'à chaque fois, il dit... Emmanuel Macron est toujours d'accord avec ce que je lui propose. Quand j'ai un problème avec Barbara Pompili ou Bérangère Abba, les deux ministres alors, en charge, que vous me pouvez pas de problème, parler je passe et l'Office et français de la biodiversité. Donc, l'Office français de la biodiversité, c'est quoi me c'est pas, super. Comme ça, c'est ça fait super. Un peu peur, monsieur, pourquoi vous êtes Coste, hein craintif comme ça? Non, mais non, c'est non, la fin de ce débat, voilà. Messieurs. Merci d'avoir accepté de dialoguer sur le plateau de C'est à vous. On continue à évoquer. Mais on va y travailler. On aura 5 ans pour bien échanger ensemble, monsieur Coste. Vous dans l'opposition, moi dans la majorité, comme d'habitude. De notre côté, c'est le 5 sur 5 de Mathieu Bellia. Bonsoir Babette, bonsoir à tous. Ce soir, Mathieu. Le prix Goncourt dévoilé aujourd'hui, synonyme de retour au restaurant Drouhan aussi. Nous étions sur place avec la caméra de C'est à vous. Un an après sa libération, on apprend que l'ex-otage Sophie Pétronin est retournée au Mali. Réaction du gouvernement ce soir. Et puis, la pauvreté en Afghanistan qui pousse des familles à vendre leur petite fille. Éclairage de la grand reporter Maryse Burgot dans un instant. Le prix Goncourt a été révélé à la mi-journée. Oui, annonce, comme le veut la tradition, au restaurant Drouhan à Paris. Iban Raïs et Anaïs Recouli étaient sur place. Donc le Goncourt 2021 a été attribué au premier tour par 6 voix à Mohamed Rebogar Sarr,
pour son roman publié aux éditions Filtré, Jim Sine, La plus secrète mémoire des hommes. Retour au restaurant Drouan. En réalité, l'an dernier, Hervé Le Tellier avait été récompensé en visioconférence, Covid oblige. Vous avez là des images, vous allez le voir, de la cohue traditionnelle autour de l'annonce. Cette année, on a des vaccins, on a des passes sanitaires. Alors écoutez le menu chez Drouan tout à l'heure. Huîtres concassées avec du caviar, Saint-Jacques, topinambour confit, mousseline à l'encre de sèche, homard avec jardin marin, coquillage, poireaux brûlés, consommé. Ensuite, mon rêve, ça je l'ai vraiment, j'en avais une envie, oui c'est moi qui l'ai demandé. Ah bon, tu savais, tu connaissais ça, la royale, la façon, c'est... Je ne l'ai pas connu, mais il savait manger, cet homme-là. Ensuite, on a un brie de Meaux truffé, dessert sublime qui est le Mont Blanc, fameuse crème de marron et des marrons glacés. Donc c'est un sublime menu. Le lauréat, Mohamed Bougarsar. Mohamed Bougarsar, c'était le favori, La plus secrète mémoire des hommes. Vous l'avez en main, Babette. C'est un quatrième roman, auteur sénégalais, de 31 ans seulement, et il reçoit le Goncourt. Écoutez sa réaction. La question de l'âge, pour moi, n'est pas si importante que ça, parce qu'en littérature, on arrive toujours avec l'âge de ses lectures et l'âge de sa préparation. Donc l'âge est toujours littéraire. Et on peut arriver très jeune, à 70 ans, mais aussi très vieux, pas parce qu'on a 70 ans, mais parce qu'on a 70 ans de lecture. Lirez-vous ce livre, cette histoire d'un jeune écrivain sénégalais qui publie un roman dans l'entre-deux-guerres et qui fut surnommé Le Rimbaud Nègre? Le lauréat 2020 a dépassé le million d'exemplaires. Le record absolu, c'est Marguerite Duras, 1 600 000 livres écoulés après le Goncourt. Mais voilà, on manque de papier. Pénurie de bois, la pâte à papier qui manque aussi parce que très utilisée pour les cartons d'emballage dans la vente en ligne. Écoutez cet imprimeur inquiet. Il devrait y avoir des bobines jusqu'au plafond et ça fait bientôt un mois. C'est totalement atypique. Aujourd'hui, nous passons commande pour du papier. On ne l'aura pas avant janvier 2022. Ah, il vaut mieux se ruer tout de suite alors du coup, sur le lauréat du prix Goncourt. Dans la foulée, au restaurant Drouin aussi, le prix Renaudot était révélé. Il s'agit d'Amélie Nothomb pour Premier Sang chez Albin Michel. Félicitations à tous les deux. Un an après sa libération, on a appris que l'ex-otage Sophie Pétronin était de retour au Mali. Oui, vous vous souvenez sans doute de ces images de son retour après près de 4 ans de détention au Mali. Sophie Pétronin, que le gouvernement malien recherche désormais, puisqu'elle est retournée sur place sans visa, en passant par le Sénégal, prétextant des vacances. Écoutez déjà ce qu'elle disait lors de son retour sur le sol français il y a un an. Je vais aller en France, en Suisse, et après je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici. Au Mali ? Mais oui, on me rassure, et c'est mon fils, donc j'y crois, que tout va bien. Mais il faut quand même que j'aille jeter un œil, juste, et les saluer, parce que j'ai pris cet engagement. Si vous prenez un engagement, allez au bout de votre engagement, sinon vous aurez perdu votre raison d'être sur cette terre. Malaise aujourd'hui, pour ne pas dire colère. Son retour avait impliqué la libération de 200 combattants djihadistes. En sortie de Conseil des ministres, regardez le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il y a une forme d'irresponsabilité vis-à-vis de sa sécurité à elle, mais aussi vis-à-vis de la sécurité de nos militaires. Je rappelle que lorsque nous avons des ressortissants qui sont pris en otage à l'étranger, ce sont nos militaires qui vont les secourir au péril de leur vie. Il faut avoir donc du respect aussi pour nos soldats. Sophie Pétronin a répondu à un journaliste de l'AFP « Pourquoi irresponsable? Je suis chez moi, ici ». Cela fait 8 mois qu'elle serait au Mali en réalité. Écoutez maintenant Anthony Fouchard. C'est un journaliste, ancien correspondant au Mali, mais c'est aussi un proche de la famille Pétronin. Elle me confirme qu'elle est toujours à Bamako et que rien n'a changé. Et c'est quand même important de le préciser, c'est que ce statu quo, cet état de fait perdure depuis 8 mois. Les autorités françaises, les autorités maliennes, les autorités suisses, tout le monde sait que Sophie Pétronin était dans la capitale malienne. C'est un secret de polichinelle, dans les ministères. Personne n'y voyait d'inconvénient jusqu'à aujourd'hui. Et si vous me demandez pourquoi, je serais bien embêté de vous répondre, parce que je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a eu ce communiqué et que maintenant sa présence est passée d'officieuse à officielle. Et ça change tout. Selon plusieurs sources, l'ambassade de France était avertie rapidement de la présence de Sophie Pétronin au Mali. Elle met nos soldats en danger en retournant là-bas. Oui, je pense que ce n'est pas très responsable parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un otage en France, il y a un travail formidable derrière. Je salue la cellule de crise au Quai d'Orsay qui fait un travail remarquable. Et puis,
les agents qui sont sur place pour aller négocier, pour aller travailler à ce que les otages puissent revenir sains et saufs en France. Donc là, ça paraît, vu de l'extérieur, un geste tout à fait déplacé. Des images déchirantes en provenance d'Afghanistan quand la pauvreté et la famine poussent des parents à vendre leurs enfants. Oui, tout est dit. Parwana a 9 ans. Son père n'a plus les moyens de nourrir les 8 enfants du foyer. CNN a assisté à une transaction. Parwana a été vendue pour mariage pour l'équivalent de 1900 euros. My father has sold me because we don't have bread, rice and flour. He has sold me to an old man. He's bought Parwana for 200,000 Afghanis, just over $2,000. Covered up, Parwana whimpers as her mother holds her. This is your bride, please take care of her, says Parwana's father. On entend son père demander à l'acheteur de 55 ans de ne pas battre sa fille. Ensuite, sur ces images, le départ de la fillette accompagnée, tenue par sa mère avant de partir chez son mari de 55 ans. Bonsoir Maryse Burgo. Bonsoir. Grand reporter à France 2. Vous êtes rentrée d'Afghanistan il y a 2 semaines. Vendre des petites filles en Afghanistan, c'est pas nouveau, malheureusement. Non, c'est en fait une pratique ancestrale. Hein. Depuis toujours, les Afghans vendent leurs petites filles, hein, très tôt, parfois dès 3-4 ans, à des hommes plus âgés qui vont les épouser ensuite, les épouser eux-mêmes très tôt. Donc c'est une pratique ancestrale, ça n'a pas grand-chose à voir avec la récente arrivée actuelle des talibans. Mmh. En revanche, il y a 3 semaines, hein, depuis Kaboul, vous aviez raconté, Maryse Burgo, un autre genre de transaction, cette fois la vente d'un bébé, un nourrisson. Une personne nous a proposé d'acheter notre enfant. On est devenu tellement pauvre en 2 mois que l'on doit s'y résoudre. Notre fille a 1 mois et 2 jours. On n'a pas encore fixé le prix. Ils nous ont dit venez chez nous cette semaine et on discutera. Alors là, c'est pour vous l'illustration, pour le coup, d'une pauvreté en explosion en Afghanistan. Vous le racontiez parce que si on vend des filles pour les marier, on ne vend pas des bébés. Non, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. Qui se passe essentiellement à Kaboul, parce qu'il y a à Kaboul des millions de personnes qui vivent dans une pauvreté absolue depuis 2 mois, qui n'ont plus rien à manger. Il y a des millions de personnes en crise de malnutrition déjà aiguë, hein, selon le Programme alimentaire mondial. Et là, on a cherché, parce qu'on nous avait dit, j'avais lu dans la presse afghane qu'il y avait des gens qui vendaient leurs bébés, on a cherché, on a très vite trouvé en fait. Alors, vous précisiez dans le reportage que la moitié, avant l'arrivée des talibans, la moitié de la population afghane vivait de l'aide alimentaire. Une autre illustration de cette misère, pardon, avec un autre extrait de votre reportage. Les enfants ont faim. Aujourd'hui, ils n'ont eu que du thé sucré. Selon l'ONU, le risque de famine est imminent en Afghanistan. Dans cette école depuis toujours, des repas sont distribués gratuitement aux enfants. Ces 2 derniers mois, les inscriptions ont doublé. Pas pour les cours, eux aussi gratuits, mais pour manger. Tous finissent leur assiette. Vous le soulignez, les enfants qui terminent leur repas à la cantine. Ouais, quand vous voyez ça, vous pensez à vos propres enfants qui souvent ne terminent pas leurs assiettes. Vraiment, ça nous a sidéré à quel point ils ont mangé tout ce qu'ils avaient dans leur assiette. Vraiment, la situation... De la nutrition en Afghanistan va être un gros problème dans les mois qui vont venir. Et vous verrez, on verra des images d'enfants faméliques à Kaboul dans les semaines, dans les mois qui vont venir, comme on a vu. En provenance d'Afrique. Voilà. Les hommes qui achètent ces bébés, ces nourrissons, ce sont des Afghans moyens, des talibans? Non, ce sont des gens de la classe moyenne afghane de Kaboul, qui ont un peu d'argent. Là, en l'occurrence, c'était un couple en mal d'enfants. Elles ne réussissaient pas à avoir d'enfants. Donc, ils sont allés dans les camps de réfugiés. Comme ils savent qu'il y a une grande misère, ils sont allés dans les camps et ils ont cherché un couple qui voulait bien vendre un enfant. Et on comprend que la lutte contre la pauvreté et la malnutrition, ce n'est pas du tout la priorité des talibans. Pas du tout. Les talibans se préoccupent de sécurité. Il y a des attentats quasiment tous les jours. Il y en a encore eu un hier. Leur problème, c'est la sécurité. Donc, ils n'ont absolument pas le temps de s'occuper ni d'économie, ni des banques, ni d'argent. Donc, la population est livrée à elle-même, en fait. Merci beaucoup, Maryse Burgo, grand reporter à France 2. Les New-Yorkais se sont choisis à nouveau maire. Une bonne nouvelle pour Joe Biden. C'est un démocrate.
Alors que dans le même temps, le parti a perdu l'État de Virginie. On parlait cette nuit de scrutin test à un an des élections de mi-mandat, mais à New York. Donc, c'est un démocrate, Eric Adams, afro-américain de 61 ans, vegan. On le présente comme un... Ça, c'est pour vous, Thierry Coste. On le présente comme un ancien, un ancien délinquant qui a connu les interpellations violentes avant de devenir lui-même policier, capitaine de police. Petit extrait de son discours de victoire. It doesn't matter if you are in Borough Park in Hasidic community, if you're in Flatbush in the Korean community, if you're in Sunset Park in the Chinese community, all of you have that power to fuel us. We are so divided right now. Un ancien policier noir devenu maire de New York, peut-être que cela va créer des vocations. Le magazine américain The Atlantic nous apprenait la semaine dernière qu'il y a de moins en moins de policiers noirs aux États-Unis. Les scandales récents sont en cause, évidemment. Black Lives Matter, la mort de George Floyd. Vous voyez quelques chiffres à l'écran des villes comme New York, Chicago, Los Angeles, même à Washington, ville pionnière en la matière, moins 25% en 20 ans. On vous a retrouvé une archive ce soir, le premier chief of police à Los Angeles, juste après les émeutes de 80. What will surely be the most challenging period of my life. I enter with the understanding that the responsibilities, and know the responsibilities, that go with the title of Chief of Police. These responsibilities include the ability to lead this great department in its ever-increasing struggle to suppress and reduce the level of violent crime that is ever-growing in all of our many and diverse communities here in Los Angeles. Effet mécanique pour comprendre les enjeux avec cette désaffection des Noirs pour la police américaine. Les suprémacistes blancs prospéreraient, seraient proportionnellement de plus en plus présents dans la police. Un commentaire, Maryse Bourgo, ancienne correspondante pour France 2 aux États-Unis et Patrick aussi. Ouais, c'est toujours sidérant de voir comment la police, par exemple, à New York, a changé au fil du temps. Il y a quand même eu un moment à New York, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où New York était malfamé dans beaucoup, beaucoup d'endroits, et c'est devenu un endroit nickel maintenant. Totalement. New York a beaucoup changé de visage. Hein. Pour New York, c'est un beau symbole, mais il y avait zéro suspense, hein, parce que New York est démocrate à 80 ou 90%, donc il n'y avait aucun suspense. En revanche, en Virginie, c'est un événement politique aux conséquences incalculables. L'État était démocrate, Biden est venu soutenir son candidat, Obama a fait le déplacement, la vice-présidente Kamala Harris y est allée aussi, et la défaite est assez nette, et elle est de très mauvais augure pour les midterms l'an prochain et pour la majorité au Parlement de Biden, enfin ce qu'il en reste. Oui, il sera sans doute sanctionné lors des prochaines élections, Biden. C'est fou parce que le temps vient passe de commencer. Oui, ça avait commencé très bien, mais c'est souvent comme ça aux États-Unis, comme en France d'ailleurs. Oui, les électeurs sont versatiles. De plus en plus rapidement. Je pensais que... Au point d'avoir des cotes de popularité de Trump qui sont... Qui sont au plus haut. Il y avait une image pour terminer. Oui. On a quelques secondes pour montrer la dernière visite officielle d'Angela Merkel en France. Oui, le président de la République a choisi la Bourgogne, Beaune. Alors on sait qu'elle aime beaucoup la gastronomie française. On sait qu'il débriefe les conseils européens ensemble jusqu'à 4h du matin désormais. Beaune, belle destination. Ils dîneront ce soir au Claude Vougeot, mondialement connu pour ses œufs en meurette. Merci beaucoup, Mathieu, pour ses œufs de la faim. Et pas pour 120, alors. Merci beaucoup, Thierry Coste, d'être venu ce soir. Merci, Mathieu Orphelin, Maryse Bourgo. Merci beaucoup. Dans un instant, nos invités, Nadine Trintignant, qui écrit un très beau livre dans lequel elle évoque Jean-Louis Trintignant, celui qui a été son mari et le père de ses enfants, mais aussi un acteur qu'elle a dirigé dans la plupart de ses films. M sera également notre invité, accompagné d'Émilie Chédid, un autre talent de la famille Chédid que vous allez découvrir ce soir. À tout de suite.